Et salut à tous et à toutes, c'est Turtle Tony. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Let's Play 1.9 sur Minecraft. Donc, je viens de revenir de l'Inde. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais mon PC a eu des gros soucis. Mais c'est bon, c'est réparé. Je suis de retour. J'ai réfléchi à beaucoup de choses. Dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Déjà, l'ascenseur, je le modifierai. Peut-être je ferai un épisode spécial ou soit je le ferai hors caméra, mais je vais modifier l'ascenseur, je le trouve assez moche, je ferai quelque chose de beaucoup plus beau. Sinon, aujourd'hui, parce que c'est vraiment moche, hein, mais je ferai quelque chose de plus beau. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'intérieur de la base, l'éclairage, l'aménagement, les meubles, tout ça. Parce que je trouve ça assez moche, par exemple comme ici là, où il manquait du quartz, on va s'occuper de tout ça. Donc au début on va prendre du quartz, on va partir chercher du quartz, je pense. Voilà. Donc on a les ailes, hein, faut pas l'oublier. Donc vu que j'ai la fortune 3, je vais prendre du quartz. Je crois parce qu'on en avait plus... Si on en a là beaucoup. Donc voilà. Ok. En fait on a beaucoup de pillés, j'ai fait trop de pillés, j'ai fait une bêtise. Ah oui, ça c'est très important. Ok, sinon tout le stuff je l'ai posé là. Ok. Bah je... Oh, j'ai mending sur ça. Ouais, pas mal. Hein. Donc c'est parti. On se retrouve dans le nether. Donc nous revoilà dans le nether. Donc on va ramasser... Oh, j'ai pris ça comme bloc, c'est un peu bête. Hop, on va cheater un peu, hein. On va être beaucoup trop pété. Ah, bah là, il y en a. Ah, je cassais beaucoup trop vite. Voilà. Donc, on prend du quartz. Il y en a là-haut. On va essayer un peu de farmer le quartz. Pendant ce temps-là, on pourrait parler de la 1.10. Mojang travaille vraiment très dur en ce moment, parce qu'il travaille déjà sur la prochaine mise à jour. C'est bien, moi j'aime bien qu'il bosse comme ça. Donc la prochaine mise à jour, on a l'annonce officielle, c'est bien des ours polaires. Avec des petits ours polaires, ça va être bien sympathique. Et il y a un nouveau mob, un genre de squelette, un fantôme, on sait pas du tout ce que c'est encore. Donc voilà, pour des petites infos, 1.10 qui va sortir très prochainement. Oh là là, c'est pété ses ailes. On remonte. Oh, et on est remonté, oh là là, mais c'est n'importe quoi ses ailes. Donc, on prend beaucoup de quartz, hein. On essaie de s'en faire plein les poches, les sous-sous d'un peu poche. Avec fortune, ça va très vite. Faut que je mette efficience 6-5 sur cette pioche. Ça sera beaucoup mieux. Déjà 2 stacks. Donc on va continuer l'intérieur. Donc dans le prochain épisode, je ferai la salle des coffres. Comme ça, ça c'est fait. Parce qu'il faut que je m'entraîne en créatif à faire un bon modèle de salle des coffres qui se range tout automatique. Enfin, je vais essayer d'un truc qui se range assez automatique parce que... Quand c'est trop automatique, ça lag, c'est pas fluide. Au moins quelque chose qui range les objets essentiels. Alors. Je vais se faire le dôme de verre pendant que je ferai. Le prochain épisode sera vraiment un épisode basé sur. Sur la base, parce que je ferai le dôme de verre aussi. Dès que j'ai 4 stacks, on va y aller. Hein, parce que... Bon, faut pas énormément, c'est juste pour finir. Là, c'est un petit peu un épisode un peu repos. Un peu, on reprend la série. Voilà. On va prendre la glowstone. J'ai oublié. Oh, je suis passé un level, je crois. J'étais 45, je suis passé 46,5. Je sais pas si c'est moi qui m'a lu, mais si c'est vrai.
c'est déjà bien. Oh, on peut casser de super loin. On va finir tout seul. Hein. Voilà. Parce que l'éclairage de la base, parce que la base elle est un peu sous l'eau, abandonnée. On dirait un peu un navire abandonné sous la mer. Mais non, vous inquiétez pas. Hein. Par contre, si je peux pas le ramasser. Glowstone, je sais que j'en aurais beaucoup besoin, un glowstone. Pour l'éclairage, j'éclairerai aussi. Ça sera automatique. Dans la maison, sera tout le temps éclairé. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des mobs qui spawnent. Mais sinon, dehors, enfin dans l'eau, je vais mettre des lampes qui seront éclairées que la nuit. Ça va être beau. Ça sert à rien, mais c'est juste joli. Donc on est là en fait. On va essayer d'aller là-bas. Oh là là, on va super vite. On est là. Je suis déjà 5 stacks. C'est déjà bien ça. Donc voilà, ça c'est fait. On va repartir, on est juste là. On va essayer de prendre la hauteur, ce serait cool. Oh, c'est trop haut, en fait, on monte. Donc ça sert à rien. Pour moi, ils auraient dû faire une petite mise à jour. S'ils pourraient corriger ça, Mojang serait vraiment cool. Oula, il y a un ghast. C'est la touche saut. Enfin, je vais voir la configuration, mais normalement, c'est bien la touche saut. Permet d'activer les ailes. Et ce qui est horrible, c'est quand on sprint et qu'on saute, ça active les ailes, du coup, ça fait n'importe quoi. Je sais pas, ils auraient dû faire une autre touche, genre. Je sais pas, genre sneak plus. Non, pas sneak. Sneak plus saut, une bêtise comme ça, je sais pas, une touche spéciale. Parce que c'est assez horrible quand on sprint. Voilà. Sinon, pour revenir au jeu de la chaîne, j'essaierai de faire d'autres vidéos. L'UHC, on attend en fait que. On n'a pas trouvé, personnellement, j'ai pas trouvé de d'UHC 1.9 encore. C'est pas encore sorti, mais quand ça sortira, ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de vidéos sur les UHC 1.9. J'ai hâte de faire du PVP avec des boucliers. Ça va être vraiment cool. Ouais, regardez, c'est horrible. Si vous voyez ça, c'est parce que je saute et en même temps je cours. Ah. Donc c'est normal. Donc on va se retrouver à la base sans perdre de temps. Voilà la base. Allez, c'est parti, on va nous faire nos blocs. J'ai ramassé un tout petit peu plus en chemin, mais très peu, ne vous inquiétez pas. On va faire ça comme ça. Ah, il nous en reste 3. La glowstone. Oh, j'en ai pas pris énormément, mais c'est pas grave. Il nous en restera une. Que je convertisse ça tout de suite en bloc. Voilà. Et vu que ça va être permanent, il me faut du bois et de la cobble. Il n'y a plus de cobble. Si, il y a de la cobble. Voilà. Des bons leviers. Hop. Allez, c'est parti. Donc on va aller à la base. Donc voilà, donc je vais vous expliquer ce que je vais faire dans le prochain épisode, un gros épisode sur la base, comme ça elle avance un petit peu parce que je la trouve un peu en mode sous-marin qui sert à rien. Donc là le couloir continuera là où il y a les légumes. Là où il y a les petites usines, et il y aura ici le dôme de verre en fait dans l'aléa du couloir. Ah, 57 melons, c'est good. Ouais, c'est parce que je suis pas à côté de la base, hein. C'est pour ça que le melon il pousse, j'en ai très peu. Ici sera la salle des coffres avec des couloirs qui continueront vers des mobs AX, des tours à XP, etc. Et en face, je sais pas encore, oui, je ferai un genre de mini-jeu, vous allez voir qui va être vraiment sympa. Je vais faire un poker, vous allez voir, ça va être vraiment sympa. On pourra inviter des amis dans la map. Donc, ça c'est bon. On va faire une table de craft provisoire.
faire des blocs parce que ah j'en ai très peu, je croyais que j'en aurais plus. Donc parce que la déco ici c'est pas ça. Ici je vais vous montrer, ça doit être comme ça, on s'en fout. Voilà. Ah j'étais où? Ah bah j'étais en train de tester le laser. On va se suicider. Parce que si je reviens pas au truc. Voilà. Ah c'est là. Donc la déco. J'avais fait ça comme ça. Bon, à l'intérieur, c'est un peu trop... je vais changer. Donc voilà, c'est comme ça. Donc des pastèques que je retienne, j'avais fait ça. C'est beaucoup plus joli. Et là aussi, c'est pareil, ce sera les citrouilles. Donc des pastèques, des escaliers et de la cheese LED. Ok. Mais bon, faut pas tant que ça, en fait. Donc c'est parti. Je me suis rappelé, c'est bon. Ça, ça va là. Des pastèques. Ah, ça c'est les escaliers. Voilà. Voilà. Je sais qu'il y a une pastèque au-dessus. Voilà. Et des escaliers, des escaliers, des escaliers. On va en faire plusieurs parce que je sais que j'en aurai besoin. Et des escaliers sur les coins. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. De la cheese LED, c'est comment déjà? C'est comme ça? Non. C'est pas comme ça. Oh, la cheese LED, c'est des slabs. Donc en gros, des slabs, ça veut dire... ça. Voilà, trentaine. On va enlever ça. Ah. Hop là. Donc ça c'est fait. Du coup je vais faire l'éclair. Ah c'est que ça a trouvé des pastèques là. Ça va m'en amener. Hop, les petites pastèques qui se remplissent. Oh j'en ai que deux. Ah ça a dû un peu foirer. Donc, le temps que ça arrive. Non ça a pas foiré. J'en ai peut-être qu'une seule de pastèques qui a poussé. Ça m'a passé que deux. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ça c'est bon. La chiselle là aussi. Hein. Et là, il manque les citrouilles pour compléter là. La petite salle. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on va faire l'éclairage. Avec la cobblestone. Voilà, donc là il y a un éclairage, je vais enlever les torches pour bien éclairer partout. Genre à la limite que ce soit le toit qui s'éclaire, je sais pas. Ok, ici. Ah, ici ça fait un peu chier vu que... c'est sur 4, bon on va le faire là. Ah mince. Voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Déjà un peu plus de gueule. Ici, on va en mettre une. Voilà. Je crois qu'il en manquera une vers là. Donc voilà un peu l'idée de la déco. Je ferai ça, ben je ferai sous dans notre épisode parce que ça va durer trop longtemps sinon. Donc le prochain épisode, la salle des coffres, le gros dôme de verre.
et la déco de la maison, parce que là c'est très très vide. Donc voilà, et je ferai l'ascenseur, je ferai dans le prochain. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un épisode détente, j'ai un peu rien fait dans cet épisode. Cet épisode détente, reprise de la chaîne. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Tartatanique et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Ou dans 3 jours. Dans 3 jours, même dans 3 jours, ou 1 ou 2 jours. J'essaierai d'être plus régulier cette fois-ci, je suis un peu en vacances. Donc ciao, bonne continuation.